J'aime courir, j'aime jouer au rugby. Et surtout, marquer. L'avenir pour moi, c'est de pouvoir donner au rugby ce qu'il m'a donné, permettre aux jeunes de pouvoir évoluer. De star du top 14 à simple spectateur, telle est la cruauté d'une retraite de rugbyman. 2 ans après avoir quitté le haut niveau, Sylver Tian n'a rien oublié de ses émotions au stade Charles Maton. On a envie de se donner à fond et quand tu sors, y a tout autour là, les spectateurs qui scandent ici c'est Oyonnax, donc ça on va jamais l'oublier. Et du coup, la décision, plus de 200 matchs professionnels, une cinquantaine d'essais gravés dans la mémoire de ses fans et ce triste fait de jeu. Venez là, tu fais chier. 2 avril 2016, Sylver Tian prend un carton jaune et craque. Il insulte l'arbitre Romain Poite et se fait exclure des terrains 36 semaines. Il regrette, mais refuse de vivre dans le passé. Je ne me fie pas à cette vidéo parce que sur une action, ça peut arriver ou sur un truc. Et puis après, on regarde surtout le comportement de la personne tout le long de sa carrière. Ce qui est important, c'est ce qu'on fait après. C'est pas ce qui est passé. À 39 ans, Tian ne veut plus jouer, mais transmettre. 3 soirs par semaine, il part entraîner l'équipe de Lons-le-Saunier en Fédéral 3. Le monde amateur, pour moi, c'est le début du rugby, c'est-à-dire la base. Comment faire apprécier, comment faire développer ce sport-là. Et je pense que le rugby doit commencer là. Boum, je passe et après je viens vite, pendant que le ballon est en train d'arriver là-bas. Et le dernier, il faut qu'il fasse attention aussi. Ok les gars ? Depuis juillet, il se révèle dans son nouveau rôle. 40 hommes sont sous ses ordres. Une mission confiée par le président dès le mois d'avril. C'est devenu rapidement une évidence parce qu'il apportait à la fois son expérience du monde professionnel et aussi son expérience du monde amateur parce qu'il ne faut pas oublier qu'il vient quand même du monde amateur. Quoi. Vous rentrez, le premier est ici. Comment vous voulez déstabiliser la défense? Son projet de jeu basé sur la vitesse demande beaucoup d'exigence et de précision. Ok, on peut mieux faire. C'est très dynamique et super physique. On fait beaucoup de buts techniques, mais c'est plus relevé que l'année dernière. Il veut que ce soit vraiment strict. Et pour l'instant, ça marche pas mal parce qu'on s'amuse. Là, je suis là. Tu vois où je prends déjà? Toi, tu la prends là-bas. Notre environnement aujourd'hui, c'est mes coéquipiers autour de moi, plus les défenseurs. Mais là, ils veulent regarder tout ce qui se passe autour, donc c'est compliqué. Au crépuscule de sa carrière professionnelle, Sylver Tian rêve désormais de devenir un entraîneur à l'image du joueur qu'il a été, un simple amateur venu tutoyer les sommets du rugby français.